Salut à tous, c'était Léon, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner où je vais rejouer le deck 8AD. En face, on va jouer contre Scorpios encore une fois. Ok, alors est-ce que je garde cette main de départ? C'est bif bof. Je vais mulligan cette main. Ouais, Scorpios qui m'embête vraiment en fait hein, avec ce deck. Ok, donc il protège tout, très bien. J'ai une main de... vraiment pas très très bonne. Ok, on va repiocher un coup. Ok, avec l'ability de Heidi, je vais pouvoir installer deux Samolfing, mais est-ce que c'est vraiment le choix de la lucidité, puisque du coup il va me retirer tous mes events hein, pour pas que je puisse les rejouer avec Samolfing. Est-ce que je ferais pas mieux d'installer le film critique et est-ce que je vais prendre des tags? Moi je pense pas. Je vais installer film critique, je vais réinstaller d'autres, je vais prendre un crédit et je vais balancer le New Angel City Hall parce que je ne pense pas que je vais prendre deux tags. Je pense que par contre je vais me faire sniper des choses et que le film critique j'en aurais besoin. C'est très très mou comme starter. Hein. Ok, on va piocher. Ça tu peux me servir. Diesel. Je vais installer un Samolfing et je vais installer comme le deuxième Samolfing. Je vais gagner un petit crédit en dernière action. Tant pis, il pourra... bah, je peux pas y aller. Faust? Non, pas Faust, ok. Bon, bah, ça va être de la setup. Sauf que j'ai pas d'argent, j'ai vraiment que dalle. C'est vraiment dur là. Là c'est vraiment dur. Mon adversaire en face a un agenda qui va pouvoir tranquillement avancer à l'infini pour faire plein d'argent, même pas. Il décide de le scorer, très bien. Bah moi je vais juste pouvoir faire de la thune. Je vais me débarrasser du deuxième film critique, je pense pas en avoir besoin. Ah, et puis il va rusher tous ses agendas les uns derrière les autres, je vais rien pouvoir faire. Ah je pourrais tenter avec le Sabes Affair et Inti d'aller ici, mais honnêtement, je pense pas avoir l'argent. Forçons-le à reste des trucs quand même, on va voir. Cobra. Firewall. Je perds Laguna Velasco District, donc ça c'est un peu dommage. Je continue. Un Enigma qui me fait perdre un clic et arrêter le piratage. Allons voir un coup dans son HQ ce qui se passe. Ça passe. Ortum, ok. Allons faire un tour dans le R&D maintenant. Et IPO, très bien. On n'a rien vu d'intéressant. Il va scorer son Global Food, il va être à 5 points. Il n'a plus d'argent, c'est le seul avantage qu'on a. Et je trouve que dalle. Je trouve que dalle. Ok, retournons dans le R&D. Il va falloir faire un R&D lock, sinon, sinon ça va être compliqué. Mausolus, ok. Allons voir dans le HQ s'il n'est pas floudé, ça m'étonnerait, mais bon. IPO, ok, on va juste prendre de la thune. Est-ce qu'il a l'agenda dans sa main? Il semblerait... Et je trouve que dalle. Je me fais rusher et je trouve que dalle. C'est super. Run R&D. Hatchet Job, on va s'en débarrasser. On retourne sur le R&D. Ortum, ok, super. Et je pense qu'il a gagné. Peut-être pas. Ouais, maintenant avec l'argent qu'il a, peut-être. Diesel, allez, trouve-moi Faust. Non. On va installer ça, on va installer ça avec au passage. Petit run R&D quand même. Pour la carte qu'il y a sur le dessus, peut-être que c'est un agenda, peut-être pas. À mon avis, l'agenda il est ici. Hunter Seeker, très bien.
On va gagner un crédit, on va se débarrasser de Misdirection qui sert à retirer des tags et je pense pas qu'il joue des tags. Même si à mon avis c'est fini. Non, ok, il change la glace sur R&D. Très bien. Très certainement hors tomb. Hein. Mais SMC, Faust, non. J'hésite à Lévi en fait, hein, juste pour aller chercher ce putain de Faust. Hein. Ou cet SMC, quoi. Ok, on va piocher. Bah tant pis, on va installer ça. On va installer ça avec. Fail. On va piocher. Toujours pas. Toujours pas. On va installer ça du coup. On va se défausser d'une carte. On va se défausser. On va se défausser de Claude. Comme ça, je pourrais la ressortir avec la clone chip si je vois qu'il installe Advance quelque chose. Il a plein d'argent et je n'ai toujours pas mon breaker. Purée, c'est incroyable. Alors un petit Sheer Gamble, on va installer Bet, on va installer Dean Lister aussi. Honnêtement, je vais piocher. Hein. Oh putain, enfin. Et ça, tu vas pas me servir, du coup, je pense. Je vais balancer de Lévi dans la défausse pour le faire revenir avec Samolfing s'il faut. Salem Hospitality, non, ne me retire pas Faust, sinon je l'installe direct. Ah bah non, je peux pas. Il va faire un deuxième Salem, il va me retirer le Faust. Non! Oh, il a retiré Cybercypher. Oh! J'ai cru que c'était le Faust qui allait dégager, quoi. Ok. Bah, je vais l'installer, Faust, ça c'est sûr. Il va me falloir de la thune pour jouer sur le Hatchet Job également. Comme piochons un coup, très bien. Donc, je vais installer Faust. Est-ce que j'ai un autre programme à installer? Non, bien entendu. Je vais faire un run R&D. Il n'a pas l'air d'avoir l'agenda dans la main. C'est un Mausolus, très bien. Donc, alors, augmenter la force, on va acheter ça. Augmenter la force, on va acheter ça. C'est quoi que je veux retirer? C'est le net. Le net, le tag. On va retirer ça. On va retirer ça. Et gain 1 credit. Je veux pas en fait qu'il snipe mon Rumor Mill, hein, c'est juste ça. Successful Global Food. Hop. Tac, on va coller ça là-dessus. On va piocher un coup. Voilà. On pourra faire un Deep Data Mining au prochain tour, ça c'est bien. Jackson. Ça c'est pas cool. Il a vu mon Rumor Mill? Je sais plus. Il a vu mon Rumor Mill. Hein. Ouh, ça sent le Hortum ça. Ok, donc clairement, j'ai envie de faire un deep data mining. Jusqu'à la fin du tour, j'ai plus 1 de force, hein, c'est ça, ok. Je vais voir 5 cartes avec ça. Je pioche un coup. Ça fait longtemps qu'il a mis des trucs là, non, ça fait pas si longtemps que ça. Je pourrais jouer Rumor Mill. On va piocher un coup. Caméléon SMC. Caméléon, est-ce que tu vas me servir? Je pense pas qu'il ait le Swordman. Caméléon a 3 de force, hein, donc c'est pas assez. Ouais, mais Ortum va me bloquer. Donc c'est le moment d'y aller en fait. On va balancer le Deep Data Mining. Voilà, donc c'est le Ortum. Je vais péter ça pour gagner autant de force que j'ai de cartes dans la main. Techniquement, c'est à la fin du run, mais bon, ça change pas grand chose. Je vais break une subroutine, je vais break le end the run. Tout celui-là. Est-ce que je lui fais gagner un crédit? Je vais lui faire gagner un crédit.
Continue. Là, je vais break le net, je vais break le tag, donc je vais balancer la SMC. Balancer le Delicast. Ok, on voit très vite. Je continue, j'accepte donc à 5 cartes. Wacten Renovation, très bien. Je pense que c'est parce qu'il a viré mon deep data mining trop rapidement et que du coup, bah, il n'a pas fire parce que la carte, il l'a retirée alors qu'il n'avait pas le droit. Donc je la reprends, je prends un clic, je prends 3 crédits, je fais le deep data mining. Donc là, du coup, j'ai pas besoin de payer. Par contre, j'ai vu une carte, donc je vais que en voir 4. Donc il faut faire attention. Donc une carte, Hedge Fund, deux cartes, Quandary, trois cartes, Global Food. Alors 1, 2, 3, encore une. Hostile Takeover. Close prompt. Et je prends le dernier petit agenda de la victoire. Et ben dis donc, j'aurais pas cru que le Deep Data Mining me faisait gagner ici. Après, j'avais de grandes chances de trouver beaucoup d'agendas dans le R&D, tout simplement pour la simple et bonne raison que s'il avait un agenda, il l'aurait foutu ici depuis bien longtemps, parce qu'il avait la possibilité de gagner. Hein. Il était à 5 points d'agenda, n'importe quel agenda le faisait gagner. Enfin, s'il collait un Hostile Takeover ici, ben j'avais juste besoin, enfin, il avait juste besoin d'en scorer un. Bon, alors, le problème, c'est qu'il pouvait pas le Fast Advance parce que j'avais Clone Ship avec Clot. Donc c'était un problème pour lui. L'autre problème qu'il a, c'est que ben, j'avais Faust et qu'il a vu ma main, il a vu Faust et il a décidé de retirer Cyber Cypher. Donc je pense qu'il savait pas à quoi s'attendre. Ou peut-être qu'il n'a pas fait gaffe, tout simplement. En tout cas, il a vu ma main au bon moment. Hein. Il a vu Faust, il a vu le Cyber Cypher, il a vu Inti, il a vu Rumor Mill et... Non, il n'avait pas vu le Caméléon, je sais plus ce qu'il avait vu d'autre. C'était ici, Cyber Cypher, Inti, Rumor Mill, Dean Lister et Faust. J'avais pas envie de me faire sniper mon Rumor Mill, bien entendu, quand j'ai fait le run et que j'ai balancé le Dean Lister, même si Dean Lister est une très bonne carte. Il y a peut-être d'autres cartes à balancer. Honnêtement, c'est un deck qui est pas facile à jouer, je trouve. En tout cas, j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de deck, donc pour moi, c'est pas facile. Là, le problème, quand il a posé sa carte, il a commencé à l'avancer. On savait hein, qu'il y avait un Orthoum dans sa main, vu qu'on y a accédé en mono-access sur le R&D. Et j'y ai accédé. Non, c'est à IPO que j'ai accédé dans sa main, je crois. Mais je savais qu'il y avait Orthoum parce que je l'ai vu sur le R&D et qu'il aurait pu potentiellement en foutre un ici. Mais il pouvait entre-temps en repiocher un parce qu'on n'a pas fait un lock R&D. Hein, enfin, un lock. On voyait que la carte qu'il allait piocher au mandatory, donc obligatoirement. Au bout d'un moment, on a. Enfin, j'y suis pu y aller. J'y suis. Je n'y ai plus été, parce qu'il a changé la carte qui était sur le devant du R&D, d'ailleurs elle est ici, hein, la carte. Et ben, j'avais peur que ce soit quelque chose de fâcheux, sauf que c'était pas si fâcheux que ça au final, j'aurais pu y aller, mais je me serais fait potentiellement sniper des cartes importantes. Inti qui est là pour parer contre le Wraparound, hein, tout simplement. Une fois qu'il aurait mis ses 3 points, ouais, pions d'avancement sur Orthoum, bah, c'était pour moi très compliqué, voire impossible, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était impossible pour moi de passer ici, parce qu'il faut pas oublier que Orthoum, quand il a 3 ou plus pions d'avancement dessus, on ne peut pas interagir dessus avec les breakers de type AI, et Faust, c'est un breaker de type AI. Hein. Donc là, pour passer Orthoum, j'étais obligé d'avoir le Cyber Cypher.
d'installer et avec le target sur le serveur sur lequel il y a Ortum. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a balancé CyberCypher. Il s'est dit, je suis bien, je suis à 5 points, mon adversaire à 0 points. Je crois pas que j'avais le Global Food encore sur le film critique. Et du coup, il s'est dit, c'est bon, ça passe. La raison pour laquelle j'ai pas retiré le Global Food de mon film critique, alors que potentiellement il pouvait me flinguer la gueule avec Hunter Seeker, c'est parce que j'avais deux Sacrificial Constructs d'installer et qu'il aurait fallu qu'il en place pardon, 3 pour réussir à sniper mon Faust. Donc ça me dérangeait pas tant que ça. Deep Data Mining qui est vraiment une carte super forte. J'apprécie énormément. Et il aura fallu quand même aller le chercher, hein, ce saloperie de Faust. D'ailleurs, je viens de tilter. Ouais, les deux self-modifying codes sont là-dedans. Il y en a une qui est ici que j'ai trashé. Donc l'SMC a mis du temps à sortir. Heureusement que ce deck pioche très vite. Le problème, c'est l'argent. Si on trouve pas l'argent, bah, on est un peu coincé. Hein, parce que niveau argent, je sais pas si vous avez fait gaffe. C'est Delicast et Sher Gumball. Et je crois que c'est tout. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Delicast et Sher Gumball. Donc la setup est lente. Là, mon adversaire a exactement fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Hein. Malgré le. Bah, clairement, il avait un deck où il snipait le rig, hein, avec Hatchet Job et Salem Hospitality pour aller chercher mes breakers, même s'ils sont installés, les renvoyer dans ma main et les sniper sans que je puisse rien à faire. Parce que dans ma main, je ne peux pas utiliser Sacrificial Construct, hein, c'est que sur un programme installé. Donc voilà, clairement, il avait un deck pour shooter mon rig. De toute façon, quand on joue Scorpios en général, alors soit on essaye de grignoter des dégâts pour potentiellement faire perdre des cartes importantes au runner et les retirer de la partie, soit on joue, on va sniper tes breakers et une fois que tu n'as plus de breakers, ben, j'ai gagné, quoi. Donc voilà. Et clairement, il avait un deck où il voulait me tuer mon rig, hein, c'est pas moi qui tue, mais il m'empêche, enfin, je ne peux plus jouer vu que j'ai plus de breakers pour passer. Et bah il a vu que ma setup était lente, il en a profité. Il a scoré deux agendas très rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a scoré directement l'agenda, le Acton Renovation. C'est parce qu'il avait, à mon avis, le GFI dans les mains et qu'il voulait scorer juste derrière. Donc avec ça, il était extrêmement bien. Si on regarde sa suite d'agenda, on voit 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'imagine 16, 17, 18. Et un autre agenda à 2 points. Donc là, il pouvait gagner avec bah, juste deux aussi le takeover. Il les avait, il les posait, il les scorait. Bon, il avait un tour de perdu à cause de clone ship et Claude qui est ici. Mais par la suite, il fait un purge. Claude se retrouve. Ah, quoique, non, j'avais les sacrificial constructs. Mais honnêtement, je les aurais pas utilisés pour le Claude, je pense. Quoique, peut-être un en fait. Peut-être un. Ouais, pour éviter qu'il puisse scorer à coup de hostile takeover. Alors clairement, c'était ça, c'est pour ça que Clutch, je l'ai mis à la fin d'un tour dans la défausse. C'était pour pouvoir la ressortir avec la clone ship. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre bien plus tôt que ça. Rumor Mill, lui, qui est très important parce que ça l'empêche en fait tout simplement d'utiliser Jackson Howard et potentiellement de foutre des trucs dans les archives et de m'emmerder. Ou alors je suis en train de faire un run sur le R&D et j'ai pas envie que tu me renvoies trois cartes dessus et que tu remélanges le R&D. Donc voilà, pour Blanc, Jackson Howard. D'ailleurs, je crois pas qu'il y a de. Non. Je crois qu'il y a le chat qui chante en bas. ouais. Je disais, je crois pas qu'il y a d'indexing dans le deck. Non, il n'y en a pas. Legwork aurait pu être pratique au moment où il a commencé à scorer ses agendas très rapidement. Quand il a mis le premier agenda ici, peut-être que c'était une bonne idée. Une fois qu'il a mis le premier agenda, qu'il a scoré le deuxième et que j'ai vu qu'il a rien mis dans ce serveur alors qu'il avait la possibilité, hein, clairement. À partir de là, je savais que c'était foutu pour moi. Enfin, c'était foutu pour trouver des agendas dans le HQ. Il était obligé d'aller les chercher dans le R&D, donc là, Legwork n'aurait plus servi. Je me demande quand même combien d'agendas il avait dans la main. Parce que si on compte les agendas, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, donc ça fait 3, 6, 9, 10. Oui, il devait y avoir 10 agendas dans sa main, enfin dans son deck. Et on en a vu 6 quand même. Bon, il reste 18 cartes dans son jeu. Son jeu est passé très vite quand même. Hein. Son jeu est passé très vite.
Ok, bah voilà, ça m'aura permis de vous remontrer ce deck, même si encore une fois on a joué contre Scorpios, qui n'est pas un très bon match-up, hein, parce qu'il suffit qu'il se débarrasse de Faust et la partie est finie. C'est pour ça, alors j'en ai pas parlé pendant la partie, mais c'est pour ça que j'ai essayé de maintenir un niveau de crédit plus ou moins égal à son niveau de crédit pour pouvoir ben, contrer Hatchet Job, même si Hatchet Job c'est quand même 5, enfin une tresse de niveau 5, donc c'est très fort. Hein. Ça coûte 2 à jouer, donc il faut avoir 3 crédits de plus que l'adversaire. Je crois qu'à un moment j'étais à 2 crédits en dessous et les tours d'après j'étais au-dessus. C'est pour ça aussi que j'ai cherché à lui faire reste des glaces. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo où j'espère que je vais réussir à jouer NBN. Je pense, normalement, avec le week-end, je devrais avoir le temps de faire une vidéo potable sur un deck NBN. Et ben, sur ce, je vous dis à lundi. À plus, ciao, ciao.